Je faisais un
je prends des films, des séries, et je distribue les gens, je fais le casting et après je les dirige sur le plateau. Et j'ai vu cette femme, Carole, physiquement, tac-tac, François, je la connaissais, et putain, je pense que ça peut matcher, cette femme-là peut matcher. Après, j'ai vu Daryl, Daryl, pour ceux qui connaissent son Kid Gay, c'est une personnalité, une putain de personnalité, et j'ai pensé que la voix de Chopin, puisque c'est la voix officielle de Chopin, Yeah.
revient, c'est organique. C'est un travail aussi très médiumnique, parce qu'il y a un phénomène très bizarre, souvent les gens disent oh, « fais-moi la voix de Stark, fais-moi la voix de Carole ». Mais moi j'en suis incapable, c'est quand il y a l'écran et qu'il y a une fille grande blonde ou une grosse dame noire, ben, ma voix elle va être différente sans que je cherche même à changer, il y a quelque chose de médiumnique qui se crée. On rentre dans le corps de l'autre, ça dépasse, enfin, c'est pas quelque chose de très raisonné je dirais. Le jeu oui, mais le fait que la voix s'adapte plus ou moins, enfin, il y a des limites. Hein, mais... L'image est ce que vous voyez. Oui, on est aspiré par l'image de l'autre. Quand ça se passe bien, on est vraiment aspiré par le visage de l'autre. Donc ça modifie des choses dans votre cerveau, dans votre voix, dans votre phrasé. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas rationnel, je dirais. J'ai une petite anecdote marrante, c'est quand j'ai commencé, je me retrouvais à côté de... bon, je suis âgé, hein, près de 50 ans, j'ai 48 ans. Donc vous, ça parlera pas, mais les jeunes, mais il y avait des séries qui marchaient bien à l'époque, comme Dallas, des séries comme ça, il y avait la Pontier, Dominique Paturel. Et moi, je me retrouve une fois là-bas, je suis allé là-bas, j'étais jeune. Et je connaissais pas trop la gueule de Dominique Paturel, j'avais 25 ans, je m'en parlais un peu pour tout dire. Et je suis là-bas, en train de regarder l'écran, je suis au personnage, j'entends le personnage, je dis putain, merde, j'ai chier, hein, moi. Mais j'avais le gars qui était là, qui était sa femme avec Merci pendant 10 ans. J.R. Dominique Paturel qui faisait J.R. Ewing. Dallas. Dallas. J'ai vu Patrick Poivet qui fait Bruce Willis. Richard Darbois qui fait Harrison Ford. On a Tom Cruise. Mais c'est vrai qu'on est déversé par ces voix-là. Ouais. Et moi j'adore quand je vois les vidéos qui sont là, qui disent je t'ai entendu dans les cas quand j'étais jeune, c'est canard, machin. Ça nous touche beaucoup parce qu'on se rend pas compte en fait qu'on rentre. Moi je pense que c'est un métier. Hein, et c'est heureusement qu'on est un. Je me tâche, je suis acteur doublage, je suis acteur tout court, et le doublage, ouais, c'est formidable, ça veut dire c'est ce qui est extraordinaire. Et quand je faisais le théâtre de la Roche, je n'étais pas en train de me dire, je veux faire du doublage toute ma vie, alors j'en fais tout en tournant, tout en jouant. C'est l'activité parmi tant de temps. J'ai joué les enfants à Paris cette année, etc. Mais je ne lâche pas le doublage qui est extraordinaire, c'est un peu fou. Mais ce qui est marrant, c'est de dire, c'est voilà qui me remercie. Quand on les rencontre, moi encore, je comprends que les jeunes me disent des témoignages d'amitié. Profondément, en disant putain, vraiment, on t'a adoré, machin, ça me touche beaucoup, vraiment. Je suis même un peu bouleversé. Et moi, en même temps, je suis capable de dire à tous autres mecs, quand j'entends Bruce Willis, pour moi, c'est Bruce Willis. Oui, parce que tu es passé de l'autre côté de la barrière, effectivement. Ouais, et c'est extraordinaire, moi, une fois, moi, justement, il m'est arrivé un truc comme ça. Alors, je suis beaucoup plus âgée, donc c'était un feuilleton qui s'appelait Aventure dans les îles. Et j'avais 6 ou 7 ans, donc ça vous parle des années 62. Hein. Et Aventure dans les îles, il y avait le capitaine Troy qui était beau à mourir, et il avait une voix, j'adorais. Et une des premières fois où je vais faire du doublage, je rentre dans le plateau et j'entends la voix du capitaine Troy. Mais j'ai failli m'évanouir. Parce que c'était tellement hallucinant pour moi d'entendre la voix du capitaine Troy 30 ans après. Organique.
choses qui changent forcément, qui évoluent. Non, je pense que c'est toujours aussi difficile. Vont se renouveler. Non, mais pas se renouveler, justement, de tenir un cadre. Que le tienne, on déjeunait avec Michael, et je me disais à quel point ils tenaient leur personnage, à quel point ils avaient leur parcours, à quel point la direction artistique était super sur le film. Chaque acteur, quand son personnage ne tient pas, il disait, il était tout à fait d'accord. Et que nous, la moindre des choses par an, c'est de restituer et d'essayer de rendre à César ce qui est à César. Encore une fois, je me dis, nous, on n'est que des interprètes de l'ombre. Tout va bien, je veux dire, celui qui est de l'ombre, là, je n'ai rien compris. Voilà, ça, on se met d'accord tout de suite. Moi, j'ai tenu un jour, j'ai regardé un mec qui avait le nom comme ça, parce qu'il ne s'est pas connu, et je lui ai dit, non, gamin, quand tu dis gamin, t'as pas connu, t'as pas arrivé. Qu'ils ont fait pas mal de jeux de mots supplémentaires en français qui n'existaient pas dans la BO. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que dans Walking Dead, ça peut arriver aussi, il y a eu des passages, des jeux de mots, des choses qui existaient en anglais mais qui passaient pas en français, des choses que vous avez un peu remaniées, changées pour le rendre compréhensible davantage dans les jeux de mots ou dans d'autres créneaux? Il n'y a pas de gimmick, on n'a pas de gimmick, rien, machin. C'est des adaptateurs qui travaillent le texte, moi après je le change. Parfois c'est un peu ce que j'appelle ampoulé, c'est un peu vieux jeu, c'est pas de... Les adaptateurs ils écrivent, hein, et il y en a certains qui font parler un peu tout le monde de la même manière. Or Larry ils écrivent pas comme Carole, ni comme Ben, ni comme Rick, chacun a son rythme, chacun ses mots. Donc moi j'essaie de modifier ça en platin, quand j'ai du temps. Mais encore une fois, avec Ed Morgan par exemple, il paraît qu'ils faisaient des impros de folie, ils partent en règle, hein, c'est une période peut-être. Là en fait on est plus sérieux, plus sage. C'est comme ça, on sait qu'il y a une grosse communauté de fans, et je me permettrais pas d'être light, d'être un peu plus présent sur une série comme ça. Françoise, la comédienne que tu doubles. Il est mort. Donc dans. Paf. Paf. Ça commence à prendre le truc. Non, non, d'une manière générale, que ce soit pour Walking Dead ou même pour d'autres séries, est-ce que vous suivez ensuite l'actualité de l'acteur ou de l'actrice en question pour savoir si ce qu'elle devient, si vous allez être après sur ce plat, même si on sait que tous les directeurs de plateau, je parle pas forcément de toi Benoît, hein, ne gardent pas forcément les mots, mais histoire de suivre un peu l'actu et pourquoi pas d'être pour moi je suis pas l'actu, alors de temps en temps je demande à mes filles, alors ah bah tiens, ouais, la tienne elle revient sur Pretty Little Liars, ah bah tiens, tu vas voir, elle est pas morte, Carole, donc c'est elle qui me tient au courant. Moi je suis pas ça. Et puis il y a des acteurs, des actrices que j'ai jouées, que j'ai perdues, on m'a pas contacté pour les refaire par exemple. Certaines que j'avais adorées. Bon, bah, quand il y a certaines chaînes sont très très fidèles sur les acteurs. C'est-à-dire qu'il est arrivé que sur la 6, ils fassent refaire un doublage parce qu'on ne m'avait pas prise, on avait un marqueur par exemple. Mais c'est rarissime. Je sais qu'une fois, ils m'ont appelé parce que quelqu'un avait doublé le personnage du caméléon, enfin l'actrice, dans autre chose, et c'était pas moi. Donc ils m'ont fait refaire les boucles. Mais c'est assez rare, c'est parce que la 6, pour eux, je suis en acteur. Mais la 1, ils s'en fichent, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Et je vais même pas être au courant que c'est eux qui doublent la série. Donc c'est pas comme avant, où c'était on avait beaucoup plus la mainmise sur un personnage toute sa vie, comme Kirk Douglas, John Wayne, c'était toujours les mêmes qui les doublaient. Maintenant, il suffit que ça change de chaîne, on prenne quelqu'un d'autre. Je vais vous demander à tous que vous doublez, notamment dans Walking Dead, est-ce que ça fait partie des rêves, enfin des envies peut-être, pour un mot moins ouais, fort. Et en même temps, je sais pas ce que je pourrais lui dire. Je vous dirais, franchement, j'ai rien vu. Je dirais, je te connais pas mal quand même, Benoît, je t'avais observé. Bravo à toi, machin, mais je sais pas trop ce que ça peut faire. Lui, je crois que ça s'en fout très grave. Ça fait le gars, ça, je crois, il a bien, ça fait une belle. Moi, ouais, mais donc, du coup, je
très plaisir à dire, comme on dit ma gueule. Et ce qui veut dire que ça fait autant plaisir que là, j'ai eu plaisir à rencontrer Abraham, je trouve charismatique, Abraham, c'est une montagne, c'est un. Et Françoise, Françoise, elle est morte. J'ai eu la chance de rencontrer Mélissa, celle qui joue Carole, et comme je trouve que c'est une merveilleuse comédienne, ça m'a fait plaisir. Alors, en mon grand regret, parce que c'est rare que j'ai envie, mais j'avais très très envie de rencontrer Andrea Parker. Et une fois elle est venue à Paris, Caudron m'avait dit « Ouais, je t'appelle », il m'a jamais appelé. Et ça, parce que rien que pour lui dire à quel point je la trouvais belle, à quel point je la trouvais merveilleuse et à quel point je m'éclatais à la durée, quoi. C'est quand même, ça peut lui faire plaisir. Mais sinon, oui, je m'en fiche un peu. Mais il y a un... j'étais contente quand même. Carole, ça m'a fait plaisir de lui dire que je la trouvais fort. Ah oui, t'as rencontré ta actrice au Voilà, j'ai rencontré l'actrice de Walking Dead. Et j'avoue, l'actrice du Caméléon, j'aurais adoré la rencontrer, quoi. Elle était... Elle est sympa, Carole. Ouais, adorable. Oh là là, c'est une petite poupée, elle est très grande, mais elle a l'air d'une, espèce de, porcelaine victorienne. Elle a l'œil qui pétille, elle est très chouette. J'ai encore quelques questions sur Walking Dead, on va s'en garder un peu pour explorer aussi le reste de votre activité. Et on reviendra un petit peu sur Walking Dead vers la fin de cette conférence. Benoît, ta photographie est juste, comment dire, méga impressionnante. Il faudrait vraiment plusieurs feuilles, on va essayer de synthétiser. Mais en premier lieu, est-ce que tu peux nous dire quels souvenirs tu gardes, notamment de Onizuka? Vous connaissez GTO, ce prof un peu particulier, entouré d'élèves qui s'amourachent des fois, ça peut poser problème. Ouais. Alors, concrètement, quel souvenir tu en gardes? Parce que c'est une fabuleuse série, GTO. Ça, c'est magnifique, c'est une belle rencontre aussi. Et Kitsu, en tout cas, c'est une vraie aventure, parce que physique, parce que putain, il faut le suivre, c'est un malheur. C'est Canal Plus qui a choisi. Et je sais pas trop où j'allais. J'avais vu les essais, j'avais remarqué qu'il était quand même assez balèze à faire. Il y a pas mal de ruptures. Et puis le manga, on est bien invité. Là, je trouvais des moments extraordinaires. Et quand on l'a fait, c'était une belle vie géniale en plus. Donc, du bonheur. La direction artistique était bien. Et l'équipe était bien aussi. Il y a des gars que vous connaissez peut-être aussi. Benjamin Pascal, Gilbert Révy, c'est vous ça, c'est la voix de vous, Marie Simpson, c'est voilà, plein de fois, c'est sans doute. Très belle aventure, en tout cas. Et Françoise, justement, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, peut-on parler justement de Andrea Parker et cette série qui commence maintenant à dater un petit peu le caméléon? Oui, alors, comment c'est mieux sur cette aventure? Ça repasse en ce moment, ça repassait il y a pas longtemps. C'est une série où, en plus, c'était un moment où je travaillais plus du tout. Je travaillais pour une boîte qui avait fait faillite, comme pas mal de boîtes de doublage, et pendant 4-5 ans, j'ai presque rien fait. Puis un jour, j'avais appelé Georges Poudron, je lui ai dit, écoute, t'aurais pas quelque chose pour moi? Et pour me faire plaisir, il m'a mis sur les essais du Caméléon en pensant vraiment que ça marcherait jamais. Et puis ça a été vraiment quelque chose de magique, comme ça peut arriver. Donc j'ai commencé à faire Andrea Parker. Et c'était extraordinaire, quoi, parce qu'elle est belle, odieuse, émouvante, elle a tout. Elle change beaucoup d'émotions, c'est intéressant voilà. Pour toi comme comédienne. En plus, elle était roulée comme un cigare, toujours en mini-jupe, en mode, dominatrice, sensuelle. C'est vrai que c'est une jolie femme. Sans scrupules, enfin bon, elle était géniale. Je me suis vraiment éclatée, et voilà. Ça a été un peu compliqué au début pour faire accepter, parce qu'il y avait, enfin, je sais pas, il y a eu un pataquès au début, j'ai failli pas le faire. Et puis après, je me suis bien éclatée. Je regrette qu'elle n'ait pas fait une carrière plus intéressante. Je pense que c'est elle qu'on aurait dû prendre dans Chapeau Blanc, Mode de Cuir. Quand ils ont fait le remake au cinéma, elle aurait été géniale. Elle était faite pour faire Chapeau Blanc, Mode de Cuir, je trouve. Une steel woman. C'est vrai que... Bon, et je continue à la faire, donc ça me fait plaisir. Et si je te dis Desperate Housewives, Jane Carlson? C'est celle qui se suicide, c'est ça? Décidément. Alors, entre la comédienne qui meurt, qui se suicide, je plaisante. Elle, je l'avais déjà doublée. Oui. Ouais. Bah, je l'avais déjà doublée, je devais la faire dans Desperate, j'ai été prise, et puis bon, deux jours avant, on m'a annoncé que je ne le faisais pas. Donc, voilà. Ça, c'est le genre de truc. C'est aussi les clients, ils choisissent.
j'ai fait en Audrey Parker. Tu es aussi, Benoît, sur une série, alors c'est pas Madame et Servi, c'est Monsieur et Servi. Peut-être d'ailleurs ça leur a donné une idée, le titre. Monsieur et Servi, c'est pas un manga ? Voilà. Ouais. Tu sais, l'histoire de soubrette et tout ça. Il y a longtemps, hein ? Ah, il y a longtemps, ouais. Ça te parle un peu, ah, d'ailleurs, oui, tu en as fait beaucoup dans cette période. Je fais pas mal de manga, en fait. Des animés japonais, effectivement. Il y avait aussi, alors ça va parler à une génération de fans, si je vous dis les Chevaliers du Zodiac et plus précisément Saint Seiya. Alors là, tu es sur Soma, donc dans Saint Seiya Omega. Chevalier du Petit Lion. Chevalier du Petit Lion, voilà. Comment tu es venu sur Saint Seiya ? Est-ce que tu connaissais déjà la série Les Chevaliers du Zodiac un petit peu ? Comme tout le monde. Donc la nouveauté. Aussi, il y a une autre série qui s'appelle The Lost Canvas. Et alors là, c'est formidable parce que t'en fais pas qu'un. Tu fais Yato, Wimber, Gigante, Pakia, rien que ça. Alors ma question, c'est comment on fait pour pas s'emmêler les pinceaux avec ces voix différentes. Vous enregistrez chaque piste parce que bon, se relayer comme ça, faut y aller quoi. Ouais, là, tu as plus tout l'année, donc vraiment, je pense qu'il n'y a pas. Je sais que j'ai fait deux Saint-Sylvia, puisque je m'achète pas. Là, peut-être les quatre n'étaient pas. Attends, tu vois, il y a peut-être un. Les guests. Tu as fait peu de dessins animés, mais tu en as.
c'est son parrain qui est dirigé. Elle était très contente de faire des 2-3 mots dans sa croix. Qu'est-ce que tu en penses, honnêtement, du genre manga, animation japonaise? Est-ce que... J'ai pas vraiment d'opinion parce que j'en ai pas fait beaucoup. C'est pas du tout ma génération. Donc c'est vraiment un monde qui me dépasse un peu. Je sais pas. Moi je lisais des bandes dessinées belges. Et toi, Benoît, tu es familier par contre de cet univers depuis? Witch Hunter Robin. C'est toi qui fais Haruto, Sakaki? Ouais, très bien. Voilà, là, je me souviens bien, c'est pas mal. Et en animation aussi, japonaise, celui-là m'a marqué quand même. Chapter 1, je me souviens. Et Excel Saga, tu t'en souviens, Watanabe aussi? Ah oui, il était bien, il a dit qu'il faisait Pascal Chemin. Oui. C'est Excel Saga également, c'est pas que le rôle féminin principal. Possible, j'ai pas de tête non plus, mais c'est possible. Très bien. D'une manière générale, Françoise et Benoît, est-ce que vous préférez coupler, fêter votre voix, un dessin animé à une série avec des acteurs en chair et en os, voire à un long métrage, ou est-ce que c'est complémentaire pour vous? C'est-à-dire, les longs métrages, moi, bizarrement, j'en ai très peu fait, je crois peut-être une dizaine dans ma vie. Moi, je crois que ça dépend vraiment du rôle, je m'en fiche un peu. Alors, les dessins animés, souvent, on est plus obligé de changer sa voix, c'est un peu plus loin de soi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de doubler de bons acteurs, des bonnes actrices, dans des belles histoires, voilà. Après, dans une série, si c'est bien, c'est mieux de le faire plus longtemps, c'est plus agréable. Voilà. Moi, j'aimerais, en dessin animé, La Ferme en Folie. Je sais pas si vous connaissez La Ferme en Folie. Et c'est un animé que j'ai vu Kung Fu Panda, la série Kung Fu Panda, La Ferme en Folie, je faisais une furet. Sur quelle chaîne ça va passer.
descendre au bout de 2 jours. Et d'ailleurs, c'est devenu un gimmick chez moi parce que les filles, quand elles voient un mec ou une nana, un gars, chiant et tout, elles disent « Celui-là, il ne tiendrait pas descendre dans le bordel. » C'est devenu un peu un espèce de... Parce que c'est un véritable phénomène, Walking Dead. Yeah.
j'espère que vous ne leur faites pas peur non plus, mais est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que tu as une anecdote de ce genre avec quelqu'un qui, tiens, ta voix me dit quelque chose? Ça m'arrive plein de fois en fait, plein de fois, c'est incroyable. Et qu'est-ce qu'on dit en général Ben non, mais chez Nespresso, il y a 6 mois, chez Nespresso, je demande de changer ma machine. Je vois le petit jeune en face, tu vois, donc la machine là, bon, elle déconne un peu là. Putain, je vois, il part derrière, il vient avec un autre vendeur. Puis on accompagne la machine, et il dit, pardon, vous êtes de Mouzouka. Je suis là, je suis Mouzouka, mais je suis la voix de Mouzouka. Il dit, non, et il est parti. Après, bon, c'est bien, il s'en trouve. Qu'est-ce que tu peux dire, en gros, voilà, sans spoiler. Je peux vous donner honnêtement
sentiment. Ça vous dirait si je vous donne mon sentiment? Ouais. C'est le sentiment et peut-être une petite voix aussi, non? Si tu serais capable de faire la voix de Glenn, une petite. Une petite à internet, tout ça, machin, des mecs ont ralenti l'image à la fin du son. Et à la fin, on entendrait, paraît-il, Maggie crier Glenn. Quand on ralentit le son, etc., les Américains ont dit on attend. Sentiment à moi, il est que dans le comics. Je ne vais pas spoiler si je parle de comics. Les gens peuvent. Ah, je ne vais pas spoiler. Mais bien comics, il y a une faute sans que ça spoil, on est d'accord. Mais comics, on dit quelque chose, un dans petit biscuit. Dans la bande dessinée, Glenn, il est appelé à mourir sur les coups de balle de baseball de Negan, d'accord. Moi, si j'étais producteur de la série, les gars, Glenn, il a failli mourir il y a peu de temps. Déjà. Refaire ça maintenant, c'est pour rien. C'est tout pourri. Ça annonce rien, ça ne fait pas de buzz, ça ne fait rien. Donc l'idée, moi je pense, mon sentiment, Glenn, il sera appelé, comme le comics Kirkman, il explique bien qu'il s'en détache, mais qu'il revient, qu'il repart, il revient, donc je sais pas dans combien de temps, cette saison, peut-être période, Glenn sans doute partira sous les coups du bat, et à un moment on s'y attendra le moins. Là, comme on s'y attend tous, il va aller chercher, je pense, un peu ailleurs. À la fin, le gars, des gars, il dit, il y a un champ, man, putain, t'encaisses, t'encaisses, t'encaisses. Qui est féminin masculin. Ça peut être un champion ou une championne. Donc c'est aussi bien une fille qu'un mec. Pour moi, mais encore une fois, c'est mon avis. J'ai le sentiment qu'Abraham, Eugène, peuvent partir. Abraham, quand il dit tiens, ton caisse, ça veut dire que c'est un master le mec. Avec Glenn, c'est une crevette Glenn. Il est un peu plus furtif, mais c'est quand même pas un épais. Quand il tape, si vous regardez l'image. Sur les théories. Ça, c'est le sentiment que Abraham, à la main, nous dit doucement. Le sentiment qu'Abraham part. Pas des masses. Le sentiment que Glenn part. Ouais, ça y est, en fait. Glenn part. Merci, c'est sympa, hein, franchement. Ah. Je te remercie. Hein. Non, c'est pas grâce à toi que j'ai gagné ma vie. Et le sentiment que Karl, vous pourrez partir, Karl. Eugène. Et une fille pourrait partir. Naguère, bouge, on fait bouffer le garçon, machin, pour Karl, s'il est parmi vous. Donc vous avez le sentiment de qui? Interprète un mec, casse la gueule à l'acteur. Quand je dis casser la gueule, ça veut dire tu le dors.
simple, la preuve vivante, pour pouvoir interpréter quelque chose. Ce qui est important, c'est ton foyer, ce que tu vas donner en tant qu'acteur. Et encore une fois, le théâtre, même Lino Ventura n'a jamais pris cours de théâtre, c'est un acteur extraordinaire. Donc ça se trouve, tu peux te révéler dans ton âge, et jamais avoir fait de théâtre, hein, attention, hein. Mais c'est mieux de connaître un peu ce que sont les intentions de jeu. Qu'est-ce qu'une intention de jeu? Aller au bout d'un sens, fermer ton sens. Ça vous parle peut-être pas, mais c'est ça qui est important, c'est voilà, comment je dirige mes acteurs. Si je suis pas au bout de ton sens, putain, tu vas pas au bout du sens. Tu dis qu'il y a un, tu cutes avant. Putain, j'en ai marre, je me barre. Tu comprends ça? Si il me dit je me barre, tu comprends ça? Le sac est tombé, t'es pas allé au bout, mec, t'es pas allé au bout, t'es pas allé au bout, t'as démissionné. Tu vois? Allez au bout d'un sens. Voilà. Pardon pour le. Y a-t-il d'autres questions? Une dernière petite question. N'hésite pas à parler bien près de ton micro. Qu'est-ce que vous avez prévu comme. Est-ce que vous avez prévu de faire des voix de jeux vidéo, de manga, dans encore de films et prochainement? Oui, bah là je viens de faire un Watch Dog, le jeu Watch Dog. Le 2? Ouais, le 2. Et là hier j'étais sur un. Enfin voilà, nous on est appelés à travailler. Hier j'ai fait 4 plateaux, mais différents. Donc c'est des films, des jeux, des séries télé. J'ai une visibilité sur un an. C'est ça qu'il faut comprendre dans notre métier d'intermittent de spectacle. C'est assez étonnant ça. C'est bien conscient dans un métier et c'est merveilleux. Mais ça fait, ça fait 28 ans que je le fais, mon métier. Et encore une fois, donc, si je prends mon agenda, pendant un mois, là, je vais tous les jours au prix, mais dans un mois et demi, pour l'instant c'est 4. Mais après, je en fait, ça finit pas mal. Voilà. Je joue pas parce que. Il y a du monde qui pousse. Voilà. Bah, portez-vous bien tous. Hein. On vous remercie. Je vous remercie. On vous propose aussi de venir voir les comédiens parce qu'ils sont là pendant 2 jours pour des séances de dédicaces sur le stand justement des comédiens de Walking Dead qui est juste là-bas. Donc merci pour votre écoute. Merci à vous. Vous êtes super. À très vite. Merci beaucoup pour cette conférence très enrichissante. Et sachez que ce magazine, dont je suis rédacteur, on a un article, un dossier sur Walking Dead, et on fait aussi des rubriques de portraits de voix de doublage. Merci les gars. À très vite et merci encore, au plaisir. Merci à vous.